Alors, comme nous venons de voir la classification des arthropodes, cet embranchement comprend trois super classes. Une qui est fossile, ce sont les trilobites, les chélicérates qu'on vient de voir à l'instant. Et il y a la super classe des mandibulates, parce qu'ils ont des mandibules chitineuses, ou des anténates, parce qu'ils ont des antennes au niveau de la tête, qui sont des organes de sens. Alors ici, il y a trois classes. Il y a la classe des crustacés, qu'on va voir juste après. On va voir la classe des myriapodes tout de suite, et la classe des insectes. On commence par la diapo. On commence par les myriapodes, qu'on appelle aussi les mille pattes, ou bien 10 000 pattes. Il y a deux ordres, l'ordre des chylopodes et l'ordre des diplopodes. Alors, chylopodes, parce qu'il y a une paire de pattes par segment. Diplopodes, parce qu'il y a deux paires de pattes par segment. Là, vous avez le scolopendre et là, c'est l'iule. Chez les chylopodes, donc le premier ordre, il y a une paire de pattes par segment. Il y a la première paire d'appendices du tronc. Elle est transformée en crochets venimeux qu'on appelle les forcipules. Alors voici les forcipules que vous voyez à ce niveau-là et qu'on peut voir aussi bien ventralement que dorsalement, qui ne sont pas des mandibules, qui vont servir à la chasse. Le corps est aplati et les antennes sont longues et ce sont des prédateurs. Et bien sûr, il y a plusieurs espèces. Alors là, c'est la lithobie ou lithobius. Vous avez ici le géophilus ou le géophyllum. On va voir d'autres exemples. Alors, les chylopodes sont des opisthogonéates et possèdent un orifice génital à l'extrémité du corps et des pièces génitales aussi articulées qu'on appelle des gonopodes à l'extrémité. Voilà les gonopodes pour cette espèce, pour les tobius, les gonopodes qui sont à l'extrémité du corps. Les gonopodes, bien sûr, l'orifice génital se trouve à ce niveau-là, vers l'arrière de l'animal. C'est pour ça que ce sont des opisthogonéates. Alors, les forcipules, c'est une paire de pinces situées sous la tête. Voilà, ici, les forcipules qui correspondent à la première paire d'appendices thoraciques. Alors, il y a Scutigère, qui est un chylopode. Il est anamorphe parce que, comme Lithobius d'ailleurs, les antennes sont très développées, plus de 100 articles. Regardez les antennes chez Scutigera. Nombreuses soies sensitives sur les pattes. La dernière paire de pattes est palpiforme. Regardez la dernière paire de pattes, comment elle est. Et les dernières paires de pattes sont dirigées vers l'arrière. Les autres sont dirigées vers l'avant. Ça, c'est une caractéristique de Scutigera. Alors, anamorphe, c'est leur type de développement. Un développement se fait par anamorphose. Lorsque l'individu, l'œuf ou la larve est différent de l'adulte et qu'il complète son développement au fur et à mesure, qu'il passe d'un stade à un autre, par opposition à épimorphose où le jeune, c'est un adulte miniature. Alors, Géophilus et Scolopendra, que vous voyez ici, alors là, ils sont épimorphes, ça veut dire que le nombre de segments est fixé à l'éclosion et que le jeune. C'est un adulte miniature. Il y a peu d'ocelles et le déplacement il est sinueux, ils sont de grande taille. Ce qu'on obtiendra, regardez ici les gonopodes vers la partie postérieure. Là, ce sont des antennes, les forcipules. Là aussi, ce qu'on obtiendra est épimorphe, peu d'ocelles. La morsure est douloureuse, mais elle n'est pas mortelle. On arrive aux myriapodes diplopodes. Alors, diplopode, parce qu'il y a deux paires de pattes par segment à partir du segment 4. Le premier segment, il est apode. Le deuxième présente une paire de pattes. Et à partir des trois premiers segments, présente une seule paire de pattes. À partir du segment 4, on a fusion de deux métamères. Et c'est pour ça qu'on a deux paires de pattes par segment. Mais on ne voit qu'un seul métamère et deux paires de pattes par métamère. Alors là, vous avez l'exemple de glomérus, vous avez l'exemple de liulus, qu'on appelle liule en français. Ce sont des espèces qui recherchent l'humidité. Alors voici le détail d'un diplopode. L'orifice génital, il se trouve dans la partie antérieure du corps. On dit que ce sont des progonéates.
Alors voilà le segment, le premier segment qui est apode. Les trois, ici, une paire de pattes par segment pour les trois premiers métamères. Et à partir des métamères 4, on a deux paires de pattes par segment jusqu'à la partie postérieure. Et là, on a fini avec les